Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, un nouveau partenariat. J'ai été contactée par la société Art Create Love pour faire de la peinture au numéro. Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. On m'avait déjà proposé un partenariat comme ça il y a quelque temps, mais j'avais dit non. Là, j'ai dit, je vais essayer. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. J'ai ouvert déjà. C'est parce que là, je voudrais les mettre à plat pour bien les aplanir. Oui, les aplatir, on va dire. Voilà. Donc, comme je ne sais pas dans quel ordre c'est, j'ai mon petit pense-bête à côté. Alors, c'est des petits, il y a juste un qui est plus grand, les autres, c'est vraiment des petites choses. Alors, je tombe sur le premier que j'ai commandé. Voilà. Donc, le premier, c'est un éventail. Alors, le voici. Donc, c'est des petits oiseaux, hein. Mais il est très joli, c'est très fin, c'est très très beau. Mais je pense que quand je vais être à faire, il faudra que je mette bien à plat. Hein. Je sais pas. Je vais peut-être commencer par une autre avant, parce que je voudrais pas non plus faire des bêtises. Voilà. Donc voilà. Alors, c'est livré avec toutes les peintures qui sont données. Donc ah oui, je dois avoir quelque chose d'autre parce que j'étais pour dire je vais même pas arriver à le sortir. Tiens, tu peux arriver. Il n'y a pas l'eau, non, j'arrive pas à le sortir. Donc dans le bas il y aura ça à mettre là, voyez, ici il y a quelque chose. Si, il y a un papier, parce qu'ils doivent te dire... Il arrive. Voilà. Donc, voilà. Alors, si tu peux le mettre en plus gros, voilà ce que ça donnera quand ce sera terminé, normalement. J'espère que ce sera aussi joli que ça. Il ne peut pas le coller dessus. Non, on ne peut pas le coller dessus, c'est pas la bonne dimension. Alors, il y a trois... Attendez, non, il y a deux pinceaux. Enfin, les pinceaux, j'en ai, c'est pas un problème. Voilà. Donc, après... Ah oui, ça aussi, ça va avec. Après, c'est des toiles. Là, si tu pouvais le remettre dedans. Là, je ne peux pas le mettre... Alors, ici, il n'y a pas de papier. Donc, je ne vais pas trop... Ah si, il y en a un dedans. Hop, la mousse. Alors, voilà ce que c'est. C'est pour Noël. C'est un petit chien et un petit chat au pied d'un sapin. Donc, je vais vous les montrer de près. Tiens, tu peux me dire, Alain, si tu les vois. Oui, tes mains aussi. Oui, non, c'est bon. Ça fait 20 par 20. Hein. Donc, celui-ci, c'est pas par celui-ci que je vais commencer. Hein. Alors... Voilà. Donc j'en ferai un petit peu avec vous, puis je vous montrerai le rendu. Hein. Là et là. Il y a des explications, mais ce n'est pas en français. Donc il va falloir que je traduise. Donc après, j'en ai une autre de 20 par 20. Il n'y a pas énormément de couleurs. Hein. Donc, vous voyez, il y a les timbres, les pinceaux, et puis il y a même de quoi les accrocher derrière. Hein. On les mettra sur une petite plaque. Voilà. Et donc, celui-ci,
Oui, alors celui-ci, je pense que je vais commencer par celui-ci. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça pourrait faire une couverture de une couverture d'album. Le coller sur un carton épais et je ne sais pas. Donc c'est un phare avec la mer. Je ne sais pas, je verrai. Si ce n'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard. Voilà. Quand tu seras en retraite. Ah oui, quand je serai en retraite, mais ça fait déjà 6 ans que j'y suis. 4 ans légalement, mais 6 ans que j'ai arrêté de travailler. Ah oui, alors je ne vous ai pas donné les prix. Alors, l'éventail de premier, alors c'est en dollars, hein, pas en français. C'est 6,11 €. Voilà. Après, le phare, les petits animaux de Noël, c'est 3,33 €. Ainsi que celui-ci que je vous montre tout de suite. Donc il y en a où il y a deux. Ah, vous voyez, il y a de quoi les accrocher. Et voilà, les peintures. Et celui-ci, c'est un petit panda. Alors, je trouvais qu'il était vraiment très mignon. Oh, on ne l'a pas en photo. Ah, bah zut alors. Non, on ne l'a pas en photo. Ah, si, peut-être là-dedans. Non, bah, je ne l'ai pas. On ne l'a pas en photo. C'est un petit panda. Bah, vous aurez le plaisir de le voir en photo. Parce que là, tu vois rien. Ben non, on ne voit pas. Hein. C'est clair qu'on voit que les numéros. Donc là, c'est le petit panda. Ouais, peut-être je commencerai par celui-là, ou le phare, je pense. Là ou l'autre, parce que... Alors, le panda... Ah oui, ici, il y a du vert, il y a des feuilles vertes. Voilà. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, quand je me serai fait la main sur les petits, je vais en prendre un grand. Mais il est arrivé, il était vraiment abîmé. Donc, je l'ai bien mis, quoi. Il était tordu. Et celui-ci, alors là, il y a de quoi s'amuser. Je vais vous montrer. Voilà, ça ne va pas vous dire grand-chose. Mais peut-être je l'ai, le petit... Ah non, je n'ai pas le... C'est un hérisson. Un gros. Un gros hérisson, oui. Alors, là, il y a beaucoup plus de couleurs, bien sûr, hein, parce que la toile est plus grande, mais il est magnifique. Donc, vous voyez, le nombre de couleurs, c'est très, très joli. Donc, ben, je pense que je le ferai en dernier, hein, parce qu'il est, vraiment trop, trop grand pour moi, hein, pour commencer. Donc, ben, je suis super contente. Après, je ne suis pas... Tu pourras le faire quand tu seras à l'étable. Oui, c'est ça. Je suis un peu... comment dire? C'est du plastique. C'est de l'éponge pour pas... Voilà. Alors. Voilà, voilà. On va essayer de ne pas les abîmer. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre les trois petits... sous des livres et puis pour bien les raplatir pour pouvoir les peindre, hein. Donc voilà. Ah bah si il était là, regardez comme il est beau ce petit hérisson. Voilà. Donc, bon, je mettrai certainement du temps, mais bah, je vous mettrai un petit peu au fur et à mesure, hein, de mes avancées. Alors, le gros, il est à 8,93 $. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous dis à bientôt, les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.